Et salut à tous, donc aujourd'hui on commence avec Battlefield 1, donc cette nouvelle, cette révélation de l'année, comme vous aurez pu dire, notre héros à tous. Donc on a commencé d'abord en mode campagne, je vais vous lancer puisqu'on est directement sur thématique. Bon, c'est pas grave. Alors voyons voir ce qu'on a. On a un petit M1911 et une Bren, non c'est pas une Bren. Je sais pas ce que c'est, on a un Feeling Fire. À ma place hein. Donc bien sûr je n'ai pas choisi le mode de difficulté parce que je n'en ai pas eu le choix, on a avancé directement dedans. Je sais pas en quelle difficulté nous sommes. J'espère que nous sommes en mode normal. Ou en mode difficile parce que nous ne sommes pas d'épée. Non je déconne. C'est pas un petit peu trop dur je pense, on est en Battlefield. Donc voyons voir ce qu'on a. Faut finir la ligne, d'après ce que j'ai compris. Comme l'a dit bonhomme là. Là y'a quoi comme arme? Ah des importes par terre. Ce qui est logique parce qu'on tue des gens. Quoi, c'est des boches? Je pense que oui, c'est des boches. Bon, seul petit souci, c'est que la France n'est pas disponible d'entrée de jeu, t'as pas compris. Donc je ne sais pas si c'est avéré ou pas, ce que je découvre en tant que vous. Bien sûr, ceci n'est pas mais tu là. Chien. Ah putain, fais chier. Ah non. Nous venions du monde entier, pensant que cette guerre serait notre rite de passage. Il est en 86, il est mort en 18, grande aventure. Okay. Laissez-moi vous le dire, ça n'avait rien de la commande de viser pour finir une précision. Ouais, c'est une nazi, non je déconne. Forcément c'est pas du nazi, ce serait pas logique, sachant qu'Hitler c'est même pas encore j'aime pas comment dire. Président. Non, c'est pas président, c'est pas président. Chancelier, voilà ça. Allez, on va prendre ça, ce sera plus intéressant. Bon, on va se surplier, mais on peut pas apparemment. Non.
Bon, lui aussi il est mort, c'est cool. Raymond Newberry, 85-18. De nouvelles machines de mort, comme les chars, ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Vos gaz sont faits déborder à l'église! Il faut avancer! L'infanterie! Êtes-vous avec nous, messieurs? Je ne sais pas. Je pense que oui. Ah d'accord, pas tellement. On a une mitrailleuse à bord. Et on a un canon. Bon. C'est un de nos pilotes là-haut. C'est par terre que ça se passe. Ils arrivent depuis les tranchées. À la mitrailleuse. Achetez-les. On les a mis en fuite. Continuez. Donc ça c'est un des premiers chars étant apparu dans le monde. Un des premiers chars français, c'est un char Renault d'ailleurs. Ah c'est pas avec nous celui-là. Bon bah tant pis. En avant, pilote! Faites le tour! Si vous arrivez à viser ce foutu canon de campagne, détruisez-le! Oups! Accrochez-vous! On y va! Ah bah c'est plus simple comme ça! Sur la gauche! On dirait un canon sous l'ère napoléonienne. Ouvrons le chemin! Oui, oui, j'ai bien dit l'ère napoléonienne. Rejoignez le reste des chars. Un peu de culture, voyons. Ah, franchement, ce jeu, j'attendais avec impatience. Restez concentrés, soldats. J'ai jamais autant attendu un jeu avec autant d'impatience, franchement. En avant, mon dieu. Donc espérons que... On approche du but. Tirez sur tout ce qui attend à la suite. La bêta m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. On va y arriver. C'est vraiment... plus que cette bêta. Mort. Lui, il avait 24 ans. En guise d'aventure, nous avons connu la peur. C'était jeune quand même. Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort. Bon, j'espère que cela signera le grand retour de Divi. Je vais prendre des fusils, tiens, c'est un meilleur fusil en fait. Ce que j'ai. Lequel je préfère. Ah non, lui avec moi. Lui aussi. Le dirigeable tombe. Ils sont où ceux qui sont pas avec moi là, bordel de merde. Ah, ils sont face. Il est mort, c'est cool. Bon, ce petit message, ce qui s'appelle l'amour entre potes, hein. Une personne que je connais dans la vie réelle et quelqu'un avec qui me tape du bar. Opération suicide. Bah bon, c'est planqué. Bon, d'accord. Ça craint un peu.
savoir aussi que la Première Guerre mondiale était une guerre extrêmement meurtrière. Je parle au niveau des victimes soldats. Moins que la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a eu forcément le massacre des Juifs. Puis les victimes civiles aussi, donc dans Nicolas, c'était vraiment une guerre de position, et voilà. Ils poussent. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. La guerre est le monde, et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur, il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasés et naïfs. À la fois hommes d'honneur et criminels. Nous sommes des légendes à venir, et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert. Et les rats dans la boue. Voilà nos histoires. La guerre s'est étendue au monde entier. Vieux empires et nouveaux mondes. Vieilles méthodes et idées nouvelles. Toute l'humanité a combattu. Pour la liberté, les traditions, l'orgueil national, le progrès, les valeurs éprouvées, la voie nouvelle. 100 grandes idées nous ont amenés à faire la guerre qui devait être la dernière. Et le monde a viré au rouge. Bon, je pense que dans la boue, le sang, ça retranscrit un peu. Non, le char britannique. Ah, c'est même pas les Français, c'est le char britannique. Daniel placé combatté corps britannique. Placé une percée allemande, menace. Infanterie américain. Ça, c'est. Rendez-vous chez les Aradites. Les Aradites. Italien, unité d'élite combat. Ok, donc ça sont les Italiens. Bombarder les plages, ça va être les Russes, ça je pense. Ou les Ottomans. Rejoignez Lorenz d'Arabie lors de la campagne dans le désert contre le Turtois. Ça va être des Anglais. Donc apparemment, on a vraiment pas la France, donc c'est vraiment dommage. Bon, je pense qu'on va commencer par celle-là. Et puis, bah voilà, bah, sinon, je vais faire ça. Ah, attendez, j'ai peut-être une petite idée. Ceci sera l'intro, donc, enfin, même pas l'intro, le prologue de Battlefield. Donc, vous avez découvert un peu le monde, maintenant. Faudra attendre le prochain épisode, qui sera, bon, d'accord, j'ai l'upload tout de suite après, quasiment, donc, bon, allez, je vous finis ça, et après, je relance directement l'épisode du Let's Play 1, de BF1, forcément. Et un début à tout. Allez, ciao.